We're going to pray one more time. On va encore prier une fois. The Bible says, pray for the country in which you've been taken. La Bible dit, prie pour le pays d'où tu es venu. We're going to pray it for this country. Nous allons prier pour ce pays. And especially the president, the current president. Et spécialement pour le président, l'actuel président. President Trump. Le président Trump. We're going to pray for the mercy of God. On va prier pour la miséricorde de Dieu. Upon him. Sur lui. We're going to pray that the wisdom of God. Nous allons prier à ce que la sagesse de Dieu will guide him. Puisse le guider. To make good decisions. Pour prendre de bonnes décisions. That will keep this country. Qui va garder ce pays. From damage. De toute destruction. Yeah, to engage in a necessary war. Que de pouvoir engager le pays dans des conflits inutiles. We're gonna pray that God may guide him. Nous allons prier à ce que Dieu le conduise. That he makes decisions. Qu'il prenne de bonnes décisions. That will promote. Qui va promouvoir. Moral value. De des gens qui vont promouvoir de bonnes valeurs. And bring God into the American Constitution. Qui va ramener Dieu dans les Institutions. We're gonna pray for divine protection over him. Nous allons prier pour la protection divine sur lui. Against the spirit of assassination. Contre tout esprit d'assassinat. That may the Lord protect him. Que Dieu les protège. You may not have voted for him. You may not have voted for him. Même si tu n'as pas voté sur lui. It's our duty to pray for him. Mais c'est notre devoir de prier. Let us begin to pray for him in the name of Jesus. Let us begin to pray. Kiroshata rabakari, Mari handagara do shante, Ikare marazandre de clora, Igarosandagara bo shate, Ikare marabasanta gara do shat, Rabasandere. Father, in the name of Jesus, we pray God Almighty for President Donald Trump. Father, we lift him in your presence, God, as we ask you, God, that you may help him, Father. May you assist him. Father, I know you the one who established this man for such a this. Father, pray that you provide him your divine covering against the plot of the enemy, against, Father God, all form of coup d'etat or assassination. Father, we pray in the name of Jesus Christ that you grant him your wisdom, Father, so that, Father God, he will make choices that will benefit your kingdom, that will, Father God, enforce moral values in this country. Father, that you make, Father God, you use him to destroy the high places that the enemy has already placed into, Father God, this government. Father, to destroy those high places, God, and to help this nation back on track with you and with your plan in the name of Jesus Christ. And we pray for peace in the land, peace in America, peace, Father God, in Texas, peace in the Dallas Metroplex, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. The people say amen. Mon message, c'est le trésor et les voleurs. The theme of my message is a treasure and a thief. Okay, you're doing good. I'm going to switch back. No, can you go back in English, please? Amen. Amen. So, this morning, donc ce matin, my message is the treasure and the thief. Mon message est le trésor et les voleurs. We are in the book of 2 Corinthians. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens. Chapter 4. Chapitre 4. Verse 7. Verset 7. Through 9. Jusqu'à 9. How many of you felt the presence of God during worship? Combien d'entre vous ont senti la présence de Dieu pendant l'adoration? Some of you came late. Please, I will keep on reminding you. Certains d'entre vous sont venus en retard. Je continuerai à vous rappeler. The best part of the church service. Que la meilleure partie du culte. It's not preaching. Ce n'est pas la prédication. Preaching is secondary. La prédication vient après. It's worship. C'est l'adoration. Amen. Amen. God, listen. Écoutez. I'm gonna repeat what I'm saying. Don't worry. Je veux répéter ce que j'ai dit. If all of us. Si chacun d'entre nous. For just one month. Juste pour un mois. We come here at 10:30. Nous venons à 10h30. All of us. Tous. We begin to worship. Et que nous commençons à adorer. Greater things will happen. Beaucoup de choses vont arriver. Can we try it at least for just 4 Sundays? Est-ce qu'on peut essayer ça juste pour 4 dimanches? 10:30 we here. 10h30 on we est start worshiping together. Nous commençons à adorer ensemble. You will see what God is going to do.
Vous allez voir ce que Dieu va faire. Amen. Amen. The treasure and the thief. Le trésor et le voleur. 2 Corinthians 4. 2 Corinthiens 4. 7 through 9. 7 à 9. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. Nous portons ces trésors dans de vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. We are pressure on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Inquiétés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non anéantis. Amen. Amen. Can you say amen? Est-ce que vous pouvez dire amen? So there is something that this morning I would like for you to know. Il y a quelque chose ce matin que je voudrais que vous sachiez. And because we are in the season of display of God's glory. Parce que nous sommes dans la saison de la démonstration de la gloire de Dieu. The promise was saying. La promesse disait. God told Israel. Dieu a dit à Israël. As long as I live. Aussi longtemps que je vivrai. The whole earth. Toute la terre will be filled with the glory of God. Sera remplie de la gloire de Dieu. And Micah said that in the last day. Et Michel a dit dans le dernier jour. That the knowledge, la connaissance, glory of the Lord, de la gloire de Dieu, will fill the earth, remplira la terre, like the sea, comme la mer. So we have stepped into a moment. Donc nous sommes entrés dans un moment where the glory of God, où la gloire de Dieu, will become so tangible. Deviendra tellement tangible here on earth, ici sur la terre, more prominent than Walmart, plus que Walmart. In every corner, dans tous les endroits, people will talk about the glory of God. Les gens parleront de la gloire de Dieu. Say amen. Dites amen. But where is God's glory? Mais où est la gloire de Dieu donc? God's glory is not in heaven only. La gloire de Dieu n'est pas seulement au ciel. God's glory dwells within every born again believer. La gloire de Dieu demeure dans tout nouveau né. I say that God's glory, je dis que la gloire de Dieu dwells, demeure inside every born again believer. Dans tout croyant né de nouveau. So, as you are seated right there, et pendant que vous êtes assis là, you carry God's glory. Vous portez la gloire de Dieu. We believe it. Qui le croit? Come and say amen. Dites amen. Say I have. Dites j'ai. The glory of God. La gloire de Dieu. Inside of me. Au dedans de moi. Can you give a big hand? Est-ce que vous pouvez acclamer? The glory of God is the display of who He is. La gloire de Dieu c'est la démonstration de ce qu'il est. Is the manifestation. C'est la manifestation. Of the nature of God. De la nature de Dieu. Through you. Par vous. It is the manifestation, c'est la manifestation of the abilities of God. Des habiletés de Dieu. When God manifests His abilities, quand Dieu manifeste ses habiletés, we call it the glory of God. Nous appelons ça la gloire de Dieu. Are you guys with me? Êtes-vous avec moi? So as you are seated right there, pendant que vous êtes assis là, you have the glory abiding with you. Vous avez la gloire avec vous. You have the power of God abiding with you. Vous avez la gloire de Dieu, la puissance de Dieu avec the vous. The glory of God is the Father, the Son, and the Holy Spirit living within. La gloire de Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit vivant en vous. So there is so much than meet the eyes. Il y a beaucoup plus que ce que les yeux voient. Concerning you. Par rapport à vous. I'm going to say it again. Je veux le dire encore. There is so much than meet the eyes. Il y a plus que ce que les yeux voient. Concerning you. Sur vous. Now your life may not be pretty. Votre vie n'est pas God. La manière de votre marche, ça peut ne pas plaire à Dieu. What you're going through may not be that pleasant. Les choses dans lesquelles vous passez ne peuvent peut-être pas représenter But la bénédiction. But it doesn't matter where you are or what you're going through. Once you're born again, the glory dwells within you. Mais peu importe ce que vous êtes ou dans où vous êtes, mais lorsque vous êtes né de nouveau, la gloire de Dieu est au dedans de vous. No matter what you do, if your father is a billionaire, you are still the child of a wealthy guy. Peu importe ce que vous faites, si votre père est un millionnaire, vous demeurez toujours son enfant. In your ordinary life, dans votre vie ordinaire, you carry the extraordinary in you.
vous avez l'extraordinaire in en your vous. Natural life, dans votre vie naturelle. You carry the supernatural in you. Vous avez le surnaturel en vous. Can somebody say amen? Que quelqu'un dise amen. Not only that, but your position. You know, yesterday I was meditating. Hier, j'étais en train de méditer. I saw that our position is beyond. J'ai vu que notre position était au-dessus. You know, they say that there are 9 classes of angelic beings. Il est dit qu'il y a 9 classes des anges. According to Colossians, conformément à Colossiens, speaking about virtue, thrones, and all those classes. On parle de vertus, de trônes, de toutes ces classes. They say the highest form of angels. On dit le plus élevé des anges. Of the class is the seraphim. Dans la classification, ce sont les séraphins. Michael doesn't belong to the highest class. Mike n'appartient pas à la classe la plus élevée. Because they say Michael is an archangel. Archangel. Parce que Mike c'est un archange. Because you have the seraphim. Parce que vous avez les séraphins. You have the cherubim. Vous avez les chérubins. You have thrones. Vous avez les trônes. You have virtues. Vous avez les vertus. You have dominions. Vous avez les dominations. You have powers. Vous avez les puissances. You have archangels. Vous avez les archanges. And then you have angels. Et puis vous avez les anges. So the highest. Donc le plus élevé. The one who live in the deep heaven. Ceux qui vivent dans le ciel profond. Because heaven is the place called the deep heaven. Parce que dans le ciel il y a ce qu'on appelle le ciel profond. And you have the highest of heaven. Donc vous avez le plus élevé de cieux. Amen. You don't have 3 heavens. Vous n'avez pas 3 cieux. You have many heavens. Mais vous avez beaucoup de cieux. The apostle Paul was taken in the 3rd heaven. L'apôtre Paul a été pris dans le 3e ciel. Which is the realm of revelation. Ce qui est le monde de la révélation. But there are heavens of heaven. Mais on a le ciel de cieux. And they say that the Lord God flies above the heavens of heavens. Il est écrit que le Dieu tout-puissant vit au-dessus des cieux de cieux. But in the very presence of God. Mais dans la présence de Dieu. You have angels that are closer to him. Vous avez les anges qui sont très proches de lui. They call him seraphim. On les appelle les séraphins. These angels are powerful beings. Ces anges sont tellement puissants. Powerful entities. Ce sont des entités puissantes. I don't know. I had a vision one day. I don't know if I saw a seraphim or what. J'ai eu une vision un jour. Je ne sais pas si j'avais vu un séraphin ou quoi. I was fasting in Mujimai, in my country. Je jeûnais en Mujimai dans mon pays. And then I had this encounter. Et j'ai eu cette rencontre. I began to have these visions every time I pray. Et je commençais à avoir cette vision à chaque fois que je priais. But one day I saw I was in heaven. Mais un jour je vis que j'étais au ciel. And then I was standing. I was looking at this throne. Was a little far. Et j'étais debout, je regardais ce trône qui était un peu loin. And then, suddenly, et soudainement, I saw in front of me, it was like dark, but not dark. J'ai vu devant moi, c'était comme les ténèbres, mais ce n'était pas vraiment les ténèbres. I was looking something very white. J'ai vu quelque chose de très blanc. Huge. Tellement grand. And then I saw it was an eye. Et j'ai vu que... Nine? Eye. Ah, et c'était un œil. So, let me see, it was big like from Irving to Bedford. That's how big it was. Si je peux estimer, c'était un peu grand comme de Irving jusqu'à Bedford. So I knew it was the eye because the top of the eye blink. Je suis que c'était un œil parce que le dessus là bougeait. And I said, this is an eye, how big? And then when I look, et j'ai dit que c'est un œil, mais je dis mais comment j'ai essayé de regarder? Around the throne there are beings. La Bible dit que autour du trône il y a des êtres that have eye all over their body. Qui ont des yeux partout sur leur corps. And then I was standing in front of one of them. Et j'étais debout devant l'un d'eux. So this is I look small, just like this dot right there. Je regardais, je semblais être petit comme ce petit point. And then I tried to lift my eye to look how big I could, and then I began to run. Et j'essayais de regarder combien grand était la chose. Je n'ai pas pu. Je commençais à courir. But every time I ran, it was still like I was still in the same place. Et à chaque fois que je courais, il semblait comme si j'étais au même endroit. Then he called me, young man. Et on m'a appelé jeune homme. Stop. Arrête-toi. And he showed me. Et il m'a montré the border. La frontière of Mexico. De Mexique. That was in 1997. C'était en 1997. He said you will build a ministry around this place. Et on m'a dit que tu vas construire un ministère autour de cet endroit. And the ministry is going to even go into Mexico. Et ce ministère ira même au Mexique. Au Mexique. I didn't et know aux nations. Texas. He was talking about Texas. Et je savais pas qu'on parlait de Texas. And he told me other stuff that are personal. Et il m'a dit certaines choses qui but sont when personnelles. I woke up, I couldn't forget the image. Mais it was horrible. Quand je me suis réveillé, je n'ai pas pu oublier l'image. Are you with me? En face. But guess what? Imaginez-vous quoi? You. Mais
les anges veulent changer de place. First Peter says, qui ont prophétisé concerning your salvation, concernant votre salut. They began to do research, ils ont commencé à faire des recherches to see what kind of period this thing supposed to happen. Pour regarder à quelle période cette chose devait arriver. But he was told to them, mais il leur a été dit, these things are not for you. Mais ces choses ne sont pas pour it's vous. For another generation. C'est pour une autre génération. These things are so precious, elles sont tellement précieuses, ces that choses, even angels, que même les anges try to look to pick a little. Et ils essaient un peu de regarder un peu. They don't care un peu là. Non, juste de regarder un peu. Yeah, and other versions say angels wish that they become you and you become them. Une autre version dit que les anges veulent être vous et que vous soyez because eux. Because angels don't have access to the Father all the time. Parce que les anges n'ont pas accès au Père chaque fois. You can actually look God in the face. Vous pouvez regarder Dieu en face. Even get mad at him. Ou même se fâcher de lui. And God say, okay, don't worry, that's my baby. Dieu dit, ah non, en fait, ça c'est mon bébé. You know, we're gonna fix it. Nous allons arranger that's cela. That's how elevated God has placed you. C'est ça la position élevée que Dieu vous a placé. Those angels are powerful. Ces anges sont puissants. But they are not as glorious as you and I. Mais ils sont pas plus glorieux que vous et because moi. Because the Bible says, parce que la Bible dit, we are seated. Nous sommes assis together ensemble with Jesus, avec Jésus, in the heavenly places, dans les lieux élevés, far above, très loin au-dessus, every principality and dominion, au-dessus de principautés et de dominations, far above demons, au-dessus de démons, even far above seraphims, jusqu'au-dessus même de séraphins. You know when Jesus was crossing the on the other side. Quand Jésus traversait de l'autre côté. I just want to show you how powerful you are. Je vais vous montrer juste comment vous êtes puissant. The Bible says the storm rose. La Bible dit que la tempête se leva. And there were thunder and the waves. Il y avait des tonnerres et des vagues. And the Bible says that even the boat began to sink. Et la Bible dit que même la barque commençait à se noyer. And Jesus was sleeping. Et Jésus dormait. Let's try to check a little bit. Essayez un peu de réfléchir sur the ça. The boat was sinking. La barque se noyait. Because water was going in. Parce que l'eau entrait dedans. It means that Jesus also got wet. Ça veut dire que Dieu aussi, Jésus aussi était mouillé. But he was still sleeping. Mais il continuait encore à dormir. The wave, la vague, could not wake him up. Ne pouvait pas le réveiller. The storm, la tempête, could not wake him up. Ne pouvait pas le réveiller. Thunder, could not wake him up. Les tonnerres ne pouvaient même pas but le réveiller. When his believer called on him, mais quand ce croyant a appelé, he stood. Il se réveillait. Come on. Amen. You know that's why the devil is afraid. Voilà pourquoi le diable a peur. When he's attacking you, quand il vous attaque, you tell you don't tell your papa. Il vous dira ne dis pas à votre you know, papa. You know when we were growing, quand nous grandissions, there were those bully men in the street. Il y avait des gens sur la rue. I remember in my family, je me rappelle dans ma famille, we had a guy called Maître Choi. Nous avions quelqu'un qu'on appelait Maître Choi. The guy was big. Cet homme-là était grand. Master in kung fu. Il était maître en kung fu. His chest could be big from here to here. No, no joke. Sa poitrine pouvait aller de là jusque là. He was like 6'7". 6'7". I don't know how. Tall guy. Il était très grand. He used to carry me, my brother and my other brother and my sister in both arms like this. Il me portait de ses deux mains, mon frère, moi, ma sœur, comme ça. Maître Choi was exceptional. Maître Choi était exceptionnel. I remember both my family and the neighbor on the other side we had argument. Je sais que ma famille et l'un de voisins nous avions eu de problèmes. They went, you know, back in the day, it's not in America. Back in the day, every family had a strong man. À l'époque, chaque famille avait un homme who, fort. Who had a strong man in their family? Qui avait un homme fort dans leur famille? That family had a guy known in Congo, Mbwamabe. Cet homme-là au Congo était appelé Mbwamabe. Bad dog. Donc chat méchant. That guy, he was incredible, powerful. Cet homme-là était tellement puissant. They went to call him. On est parti l'appeler. And we ran the entire house. Et on a fui toute la maison. But my grandmother, mais ma grand-mère, went to look for Maître Choi. Est partie chercher Maître Choi. As soon as Maître Choi came, et quand Maître Choi est venu, Mbwamabe bowed down. Say, Maître, I didn't know this was your family. Mbwamabe a dit à Maître, je savais pas que c'était votre famille. Are you guys getting what I'm saying, right? Est-ce que vous comprenez so ce que je veux dire? So those bully guys, they will come, they will take my money.
Ces gens-là pouvaient venir prendre mon argent. So if you tell your maître Choi, I'll beat you up. Si tu dis à maître Choi, because they knew me calling maître Choi was the end of him. Parce qu'ils savaient que si j'appelle maître Choi, c'était la fin. That's what the devil does. C'est ce que le diable fait. When you're going through difficulties, quand vous avez des difficultés, he doesn't want you to call your dad. Il veut pas que vous appeliez votre père. Because he knows if dad step into this matter, it's gonna be bad. Parce qu'il sait que si le père entre, ce sera mauvais. So whenever you complain, et à chaque fois que vous plaignez, you're not calling your dad. Vous n'appelez pas votre père. But when you begin to praise in the midst of your problem, quand vous commencez à louer au milieu de vos problèmes, vous appelez papa à venir entrer dans le problème. Amen. Amen. You powerful. Vous êtes puissant. If the storm can never wake him up, si même la tempête ne pouvait pas le réveiller, but only your voice, juste votre voix, you powerful. Vous êtes puissant. Say I'm powerful. Dites je suis puissant. Come on, say it even if you don't feel it. Say I'm powerful. Dites le même si vous ne le sentez pas. Je suis this puissant. Year 2020, parce que cette année 2020, God told me confess. Dieu m'a dit confessez. What I have decreed over you. Ce que j'ai déclaré sur even vous. Even if your bank is minus. Même si votre banque est don't négative. Don't say that you are broke. Ne dites pas que vous êtes pauvre. Say that I am blessed. Dites que je suis béni. Even if you feel your body sick. Même si vous sentez votre corps don't malade. Don't say that I'm sick. Ne dites pas que je suis say malade. That I am healed. Dites je suis guéri. Don't say that you are cursed. Ne dites pas que vous êtes maudit. Say that I am blessed. Dites je suis béni. Because that's what God sees in you. C'est ce que Dieu voit en vous. Can someone say amen? Que quelqu'un dise amen. You have this treasure. Vous avez ce trésor. Inside of you. Au dedans de vous. Now you need to understand this. Donc vous devez comprendre ceci. The value of the treasure within you. La valeur du trésor qui est en vous. Is greater than the clay vessel you are. Est plus précieuse que le pot que vous êtes. Because the Bible says. Parce que la Bible dit. We have this treasure. Nous avons ce trésor. In the clay vessel. Dans le vase d'argile. In the body. Dans notre corps. So the treasure that is in you. Le trésor qui est en vous. Is more glorious. Est plus glorieux. Than the body that carries it. Que le corps qui le porte. So many of you don't live the glory. Beaucoup d'entre vous ne vivez pas la gloire. Because you give so much value. Parce que vous donnez beaucoup de valeur. To the clay. À l'argile. To the vessel of clay. Au pot. Then you ignore the glory inside. Et vous ignorez la gloire qu'il y a dedans. Which means. Ce qui veut dire. The cosmetic value of the clay. But. La valeur cosmétique du pot. Can never compete with the treasure he holds. Ne peut pas compétir à la valeur du trésor. No matter how beautiful you are. Peu importe. Le fait que vous soyez joli. No matter what you do, how your body is built up. Peu importe comment votre corps est construit. It's not can never be compared to what you carry inside of you. Cela ne peut pas être comparé à ce que vous avez au dedans de vous. So it means that your value. Ça veut dire que votre valeur. Your beauty. Votre beauté. Is not defined by what is outside. N'est pas défini par ce qui est à l'extérieur. It is defined by what is inside of you. Mais elle est définie par ce qu'il y a au-dedans de vous. Can somebody say I believe it? Que quelqu'un dise je le crois. Come on, say it like you mean it. I believe it. Dites-le comme vous le croyez. Je le crois. What is inside of you? Ce qui est au-dedans de vous. Is greater than what is outside. Est plus grand que ce qui est à l'extérieur. You know the problem is. Vous savez le problème we est. We give value to what is visible. Nous donnons la valeur à ce qui est visible. But we never pay attention. Mais nous ne faisons pas attention. To really develop what is inside. Pour réellement développer ce qu'il y a au dedans de nous. The apostle Paul said, because of this glory. La Bible, Paul, plutôt l'apôtre Paul dit à cause de cette gloire. He said, we are troubled. Nous avons des troubles. On every side. Partout. But not distress. Mais que nous ne sommes pas détruits. But I like what he said at the end. Mais j'aime ce qu'il a dit à we la fin. We are cast down. Nous sommes abattus. But never destroyed. Mais nous ne sommes pas anéantis. You do know that the vessel of clay can be broken, easily broken. Vous savez right? Que l'argile, enfin, le pot d'argile peut se briser. Right? N'est-ce pas? If you take it, you cast it down, it will be si broken. Si vous le prenez, vous le laissez tomber, ça va se briser. But when the glory is inside the vessel of clay. Mais quand la gloire, sorry. When the glory is inside the vessel of mais clay. Mais quand la gloire est au dedans de l'argile. It can never be broken. Ça ne peut pas être brisé. That is why. Voilà pourquoi. You have gone through all hell in your life. Vous êtes passé par tout ce, toutes ces difficultés. But you are still standing. Mais vous tenez toujours you debout. You are still praising God. Vous louez toujours you are still Seigneur. Coming to church. Vous venez toujours you à are still meditating the word. Vous continuez à méditer because la parole. You are unbreakable parce because vous, of what is inside parce que of vous you. Pouvez pas être brisé à cause de ce qu'il y a au dedans de vous.
The glory that carries you is invisible to the world. La gloire que vous portez est invisible au monde. It's inside of you. C'est au-dedans de If vous. It wasn't for the glory of God, si ce n'était pas pour la gloire de You'll Dieu, be broken long time ago. Vous seriez déjà brisé. It is the strength that holds you. C'est la force qui vous retient. The glory inside of la gloire qui est au-dedans de vous. Now, because we have the glory, parce que nous avons la gloire de Dieu, the enemy sends four things. L'ennemi envoie quatre choses to try to destroy us. Pour essayer de nous détruire. To try to steal that glory. Pour essayer de voler cette gloire. To try to blind us. Pour essayer de nous aveugler. So that we will live. Pour que nous vivions. With the knowledge that we have nothing. Avec la connaissance que nous n'avons rien. I told you I heard a message by a friend of mine. J'ai entendu le message. Je vous ai dit que j'ai entendu le message de mes amis. Dr. Silas. Le docteur Silas. He preached the power of the powerless one. La puissance de l'impuissance. He said that if the devil, il a dit si le diable, has been overcome, a été vaincu. Why is it that he has power over believers? Mais pourquoi il a la puissance sur le croyant? If he's been stripped away of his power, s'il a été dépouillé de sa puissance, how is it that he's still powerful when he comes against you? Mais pourquoi il est encore puissant quand il vient contre vous? It's because he takes his power, parce qu'il prend sa puissance, from those who have overcome, de ceux qui ont vaincu. He takes his power from you. Il prend sa puissance de vous. Do you know when we were growing up? Vous savez quand nous grandissions? Some of us we didn't have electricity in our home. Certains d'entre nous n'avions pas d'électricité. But at night when you come to our house, mais la nuit quand vous veniez dans notre maison, you will find electricity. Vous allez trouver les cours en électricité. We just used to take, the electrical cord. Nous prenions seulement la corde électrique. Run it to the neighbor. Aller chez le voisin. Line of electricity. Se connecter là-bas. Without them knowing. Sans qu'ils le sachent. And we steal electricity from them. Et nous volions l'électricité. Usually we're gonna go find an agent in those companies. Et parfois nous allions trouver les agents de cette we compagnie. We pay money. Nous lui payons de l'argent. When he comes, try to fix it for them. Quand il essaie d'arranger pour eux. He connects something for us. Il connecte quelque chose pour nous. They're paying for us to have Donc, free electricity. Il paye pour nous pour que nous ayons une électricité That's gratuite. What the devil does. C'est ce que le diable fait. The number one thing in the list. La première chose sur la liste. We call it a pressure. On appelle ça la pression. Or trouble. Ou les troubles. It brings trouble in your life. Mais le trouble dans votre so vie. So you can open up. Pour que vous puissiez vous he's ouvrir. He's just gonna plug into your glory. Il va juste se connecter à votre gloire. And he's gonna steal it. Et il va la voler. So we are supplying to the enemy. Nous sommes surpris par l'ennemi. Without us knowing. Sans pourtant le savoir. When you give yourself under pressure. Quand vous vous donnez vous-même sous la pression. You supplying your enemy with your own glory. Vous donnez à votre ennemi votre propre gloire. God say, Dieu a dit. I am the Lord. Je suis le Seigneur. That is my name. C'est ça mon nom. And I will not give my glory. Et je ne donnerai pas ma gloire. To another. À un autre. Man, if I break that verse for you, you're gonna scream. Si j'entre en profondeur dans ces versets, vous allez crier. Because you know, in life, vous savez plus que dans la vie. Every man, chaque homme, has two reality. A deux réalités. The I, le je, and the me. Et the me, le moi. The I, le I don't know how to translate. Le je, yeah. And the me, et le moi. Okay. The I is your self-perception. Le je, c'est votre propre perception. The me is your definition of you based on what people tell you you are. Mais le moi, c'est votre définition de vous par rapport à ce que les gens disent que vous êtes. And every man has his glory. Et chaque homme a sa gloire. But you can give your glory to another. Mais vous pouvez donner votre gloire à un autre. Because the me, parce que le moi, is your definition, c'est votre définition, based on another person. Sur la base d'une autre personne. For you not to give your glory to another, pour que vous ne donniez pas votre gloire à un autre. You need to know who you are. Vous devez connaître ce que vous êtes. Because when you don't know who you are, parce que si vous ne connaissez pas ce que vous êtes, God calls you, le nom que Dieu vous appelle, you will give your glory to a, vous allez donner votre gloire à une autre and personne. Your praise to idols. Et vous allez adorer les idoles. Are you guys getting what I'm saying? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? That's why God said, I am. Voilà pourquoi Dieu a dit, je suis. The Lord. Le Seigneur. That is my name. C'est ça mon nom. And my glory. Et ma gloire. I will not give to another. Je veux pas la donner à un autre. Why? Because I know who I parce am. Parce que je sais ce que je suis. That's why people today give their praise to idols. You know voilà pourquoi aujourd'hui les gens adorent les idoles. Idol is something. L'idole c'est quelque that chose. That has ears. Qui a des yeux.
qui hears, et ceux qui ont des oreilles, but they can't listen, mais ne peuvent pas they entendre. Eyes, ils ont des yeux, they can see, mais ils ne peuvent pas they voir. End, ils ont des mains, they can walk. Mais ils ne peuvent pas you toucher. Know the people we call idols, vous savez les choses qu'on appelle that les idoles, are influencing the world, ce qui influence le monde. When we follow them, quand on le suit, we're giving our glory to them. Nous leur donnons notre gloire. Why people follow those people? Pourquoi les gens suivent ces because choses? They haven't defined the I and the me. Parce qu'ils n'ont pas défini le j'ai et le moi. I am Komi. Je suis Komi. That is my name. Je suis Douglas, ça c'est moi. And I will never give my glory to another. Je ne veux pas donner ma gloire that's à un autre. That's why you will never find two Komis on earth. Voilà pourquoi vous n'avez pas trouvé that's tout Douglas never, sur la I'm terre. Never gonna try to be like you, voilà pourquoi je ne serai like pas être comme vous tell me that I ou comme ce be. Que les gens I am disent que je God suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. My glory only belongs to Jesus. Ma gloire appartient juste à Jésus. Say pressure. Dites la pression. Say with me pressure. Dites pression. When pressure comes, quand la pression arrive, what happens? Qu'est-ce qui arrive? When you give under pressure, quand vous vous soumettez à la pression, you open up. Vous vous ouvrez, you give your glory to the enemy. Et vous donnez votre gloire à l'ennemi. You supplying him with power. Vous l'alimentez en puissance. Because pressure, listen to me, parce que la pression, écoutez-moi, will come. Viendra. Persecution will come. La persécution viendra. Confusion will come. La confusion viendra. Being cast down will happen. Être abattu arrivera. It's how you respond to these things. Mais c'est comment vous répondez à ces choses. That will either move you from glory to glory. Qui va soit vous conduire de gloire en gloire. Or will just supply the enemy with what you have. Ou soit vous allez juste alimenter l'ennemi par ce que vous because, avez. Because you carry the glory. Parce que vous portez la gloire. You must be under pressure. Vous devez être sous pression. For you even to shine through même, that glory. Pour que même vous brillez de cette you gloire. You must be under pressure. Vous devez être sous pression. Are you guys getting what I'm saying? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? It's what you do. C'est ce que vous faites. Pressure is a reality. La pression c'est une réalité. In marriage. Au mari- dans in le finances. Mariage. En finance. In everything you will feel pressure. Dans tout vous allez sentir la pression. Once you have the glory, quand vous avez la gloire inside of you, au-dedans de vous, pressure comes. La gloire troubles la will pression arise. Viendra. But les troubles what viendront. Will you do? Mais qu'est-ce que vous faites? I will show you one guy. Je vais vous montrer un homme who responded good in pressure. Qui a répondu conformément à la pression, bien listen, à la pression. Mais you know, I'll be tailoring my own clothes nowadays. These clothes coming from Europe. It's your size, but it still doesn't fit. Ça vient de l'Europe, mais ça ne me convient pas. Je vais commencer à me faire confectionner moi-même. I'm gonna begin to tailor my own clothes. Je vais commencer à confectionner amen. Moi-même. To amen. God be the glory. We need those people to be delivered for tight pants. Amen. Amen. I'm gonna show you a guy named Asaph, and I'll finish right there. Je vais vous montrer quelqu'un appelé Asaph. Psalm 77. Psalm 77. Yeah. Psalm 77. Psalm 77. Pressure will come. La pression viendra. And many of you, listen to me. Et beaucoup d'entre vous, écoutez-moi. Your Christian life is like this, out of balance. Votre vie chrétienne monte et descend. Elle est because en dents of pressure. À cause de pression. You are not even persecuted yet. Vous n'êtes même pas encore persécuté. Because Paul named four things, right? Yeah. Pressure, j'ai dit la pression, perplexity, la perplexité, persecution, la persécution, and being cast down, et être abattu. These four things the enemy use them, ces quatre choses l'ennemi les utilise, to destroy what you have, pour détruire ce que vous avez. But God also use them, mais Dieu aussi utilise les mêmes to choses, to reveal what you have, pour révéler ce que vous avez. Respond to them. Mais c'est comment vous répondez à ces choses. Today I only speak on pressure in a few minutes. Et aujourd'hui je vais parler seulement sur la pression. How do you respond to pressure? Comment vous répondez à la pression? Because every man who serves God. Parce que tout homme qui sert Dieu. Experience pressure. Expérimente la Job pression. Experienced pressure. Job a expérimenté la pression. In his distress and life challenges. Dans sa détresse et dans les challenges de sa that vie. That even say my days come to an end without hope, my eyes will never again see anything good. Il a dit que ma vie arrive même à la fin sans espoir et mes yeux ne verront rien de bon. Job 7:6-7.
Job 7, how many of 7, you have been under trouble that you think your life is going to end right there? Combien d'entre vous ont été dans le trouble et vous avez pensé que votre vie allait finir là? You guys never been under pressure? Vous n'avez jamais été sous pression? God bless you. Que Dieu vous bénisse. So I'm going to close my Bible because I'm preaching to a people who never been in under pressure. Alors je vais fermer ma Bible parce que je prêche aux gens qui n'ont how pas many of you have been pression? Under pressure in life? Combien d'entre vous ont été sous pression dans la vie? Moses was under pressure in ministry. Moïse était sous pression dans son ministère. Elijah was under pressure. Élie était sous pression. But I like Asaph when he was under pressure. Mais j'aime Asaph quand il était sous pression. Psalm 77. Psalm 77. He say, I cry unto God with my voice. From verse 1. À partir de verset 1. I cry unto God with my voice. Can I read that for you? Yeah. Ma voix s'est levée vers Dieu. Even unto God with my voice, and he gave ear unto me. Et j'ai crié, ma voix s'est levée vers Dieu, et il m'a écouté. In the day of my trouble, I sought the Lord. Quand je suis dans la détresse, je cherche le Seigneur. My soul ran in the night and ceased not. My soul refused to be comforted. La nuit, mes mains s'étendent vers lui, et sans se lasser, je refuse toute consolation. I remember God and was troubled. Je me souviens de Dieu et je gémis. I complained and my spirit was overwhelmed. Je médite et mon esprit est abattu. I like what this guy did. Number one. J'aime ce que cet homme a fait. Il a premièrement. Under pressure, he tried to shake it off. Sous pression, il a essayé d'être abattu. But he couldn't shake it off. Mais il n'a pas pu. He tried to ignore the pressure. Il a essayé d'ignorer la pression. Pressure wouldn't go. Mais la pression ne partait pas. He tried to reason. Il a essayé de raisonner. But the emotions overwhelm reasons. Mais l'émotion a pris le dessus sur la raison. Asaph was under tremendous pressure. Asaph était sous une forte pression. That his heart refused to be comforted. Et son cœur a refusé d'être conforté. His spirit was overwhelmed. Et son esprit était abattu. And this is where when you are under pressure, voici comment quand vous êtes sous pression, you can't even pray anymore. Vous pouvez même pas prier. You don't feel there is no reason for me to pray. Vous sentez qu'il y a plus de raison pour because prier. Because I don't understand what's happening to my life. Parce que je sais pas ce qui arrive à ma vie. And this is where many people, et c'est là où beaucoup de gens, they give up under pressure. Ils abandonnent, ils se laissent. And the glory within them is wasted. Et la gloire qui en eux est gaspillée. Are you guys with me? Êtes-vous avec moi? Say with me, because I carry the glory. Dites parce que je porte la gloire. There will be pressure. Il y aura la pression. But this is what Asaph did. Mais voici I love ce que Asaph a fait. J'aime ce qu'il a fait. In verse 10. Au verset 10. And I say, this is my infirmity. But I will remember the years of the right hand of the Most High. Verse 10. 11 for me. Je me dis, c'est ce qui fait ma force, ma souffrance plutôt. Ce que la main droite du Dieu très haut n'est plus la même. 11, I will remember. I will remember the works of the Lord. Surely I remember thy wonders of old. Je me rappelle la manière d'agir de l'Éternel. Oui. Je veux me souvenir de tout ce miracle passé. So under pressure, what this guy did is just change his thought. Listen to me carefully. Sous la pression, ce que cet homme a fait, il a juste changé sa pensée. Because pressure will come in many ways. Parce que la pression viendra. Sin will pressure you. Le péché vous mettra de la money pression. Will pressure you. De l'argent. L'argent vous mettra la pression. Your environment will pressure you. Votre environnement vous mettra de la pression. Your job will pressure you. Votre travail vous mettra de la pression. You will be pressured from the left to the right, from everywhere. Vous serez pressé de gauche à droite, partout, de partout. And the enemy will use it. Et l'ennemi utilisera to cela. To try to discourage you. Pour essayer de vous décourager. From knowing the glory that is inside of you. Pour que vous ne sachiez pas la gloire qui est exactement en vous. People, critics will pressure you. Les critiques des hommes vous mettront de la pression. Life itself will pressure you. Vie elle-même vous mettra de la pression. So that you can give up on pursuing God. Pour que vous abandonniez la poursuite de Dieu. Sin is gonna put his pressure on you. Le péché va vous mettre de la pression. But this guy say, this is what I will do. Alors, cet homme a dit, voici ce que je ferai. I change my thought. Je change ma pensée. I will just remember. Je me rappellerai seulement. What God has done for me yesterday. De ce que Dieu a fait pour moi hier. And he just remember seven things. Il se rappelle juste de sept choses. Number one. Premièrement. In verse 13. Au verset 13. Thy way, O God, is in the sanctuary. I love this. 13. Who is so great a God as our God?
Quel Dieu est grand comme notre Dieu? Number one. Premièrement, he remembered that there is no God like our God. Il s'est rappelé qu'il y a point de Dieu comme notre Dieu. Say amen with me. Dites amen avec moi. There is no God like your God. Il y a point de Dieu comme ton Dieu. Number two. Deuxièmement, thou art the God that does wonders. Tu es le Dieu qui fait de miracles. He is the God of wonders. Il est le Dieu de miracles. Listen to me carefully. Because many of you go through pressure. Parce que beaucoup d'entre vous passent dans des pressions. But when you forget that he's the God of wonders, mais quand vous oubliez qu'il est le Dieu de miracles, pressure is going to crush you. La pression va vous écraser. And the glory will be wasted. Et la gloire sera perdue. And the God of wonders never changed. Et le Dieu de gloire n'a pas changé. He's still the same yesterday, today, and forevermore. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. What makes him God that is the wonders he did yesterday, he can do it again today in ce your life. Ce qui fait de lui Dieu, c'est ce que les miracles qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Can somebody say amen? Que quelqu'un dise amen. And number three, say. Et troisièmement, il a dit. Thou hast declared thy strength. You have given your strength to your people. Tu as fait connaître ta puissance parmi le peuple. He is the God who strengthens those that are weak. Il est celui qui fortifie ceux qui sont faibles. No matter how weak you are. Peu importe votre faiblesse. No matter how what you're going through now. Peu importe les problèmes dans lesquels vous passez if maintenant. If under pressure you can just call on God. Si sous la pression vous pouvez seulement appeler le Seigneur. God is going to give you a strength that is supernatural. Il va vous donner une force surnaturelle. No man can be weak in the hand of God. Personne ne peut être faible entre les mains de Dieu. If you walk in weakness, si vous marchez dans la faiblesse, it's because you have forgotten the strength of God. Parce que vous avez oublié la force de Dieu. The hand of God has the power to sustain those that are weak. Les mains de Dieu a la puissance de soutenir ceux qui sont faibles. And when God holds your life, et quand Dieu tient votre vie, you can never fall. Vous ne pouvez pas tomber. I say you can never fall. Je dis vous ne pouvez pas the tomber. The wind can blow against you. Le vent peut venir contre the vous. Arrows of the enemy come against you. Les flèches de l'ennemi peuvent but venir they will contre never vous. Prevail against mais you. Elles vont pas prévaloir sur vous. He is the God who gives strength to his people. Il est le Dieu qui donne la force à son peuple. And then from verse 16 to 18. Et du verset 16 jusqu'à 18. He shows that no verse 15 he say you are the God who redeem. 16. Yeah. 16 thou hast with 15. Thine arm redeemed thy people. On my verses are 16 are par ton bras. Yeah. Par ton bras tu rachètes ton peuple. He is the God who redeem. Il est le Dieu qui rachète. To redeem means to pay back what was lost. Racheter ça veut dire rembourser ce qui était perdu. Because some of you are under pressure because of what you have lost. Listen to me carefully. Parce que certains d'entre vous sont sous pression pour ce que vous avez perdu. You lost relationship. Vous avez perdu des relations. You lost money in the business. Vous avez perdu de l'argent dans les affaires. You lost the love of your husband. Vous avez perdu l'amour de votre mari. You lost a child. Vous avez perdu des enfants. And those things bring pressure on you. Et ces choses mettent de la pression sur vous. But he say you are the God who can redeem. Il est le Dieu qui rachète. What is lost ce qui est perdu can be found through Jesus Christ. Peut être trouvé en Jésus Christ. The joy that was lost la joie qui était perdue can be found in him. Peut être trouvé en lui. Because Jesus is the resurrection. Parce que Jésus est la résurrection. Everything dead can be brought back to life. Donc tout ce qui est mort peut être ramené can à la vie. Can somebody say amen? Que quelqu'un dise amen. I feel like God this morning is giving somebody a new strength. Je sens que Dieu ce matin. There is a new hope coming in the heart of somebody this morning. Il y a une nouvelle force qui vient dans le cœur de quelqu'un ce matin. Because this year is going to be great. Parce que cette année sera grande. I'm telling you this year is going to be great. Que cette année sera grande. At the beginning of the year I saw the enemy. Au début de l'année j'ai vu l'ennemi. Planning against us. Planifiant des choses contre nous. He was speaking curses against us. Il disait prononcer des malédictions. But I saw the Lord laughing. Mais j'ai vu le Seigneur se moquer. He says, son, I'm going to release something in you. Il dit, fils, je veux because there is toi. A power within you parce qu'il y a une puissance en that toi I didn't allow it to be revealed now. Que je n'ai pas permis être but révélé. Now I am breaking through inside of you mais maintenant je passe to release the glory that is inside of you. Pour libérer la gloire qu'il y a au-dedans de toi. Those who thought that it was the end of you c'est qui pensait que c'était votre they're going to see something new about you that they've never imagined before. Qu'ils n'ont jamais imaginé. That project that seems like he has fallen to the ground. C'est projet qui semble être tombé. Some people say, you see, he thought he's gonna go far. Voilà, beaucoup de gens disent, il pensait qu'il allait aller loin. But he didn't make it. Mais il a pas accompli. God said,
know that inside of you, I have hidden more things that they have never seen before. God is taking those ideas out of you in this season. What you did yesterday was only a trial. But God said, now I'm about to begin something with you in the name of Jesus. I hear the Spirit say, those dreams will never die. Even if they seem like they are dead, même si ça semble être mort, they are only buried to the ground. Ils sont juste enterrés. Jesus said, Jésus a dit, a seed la semence can never produce ne peut pas produire unless it falls to the ground. Avant qu'elle soit tombée sur la terre. Because if your dream doesn't seem like it fell to the ground, parce que si ton rêve ne it can never spring out to what it's supposed to be. Ne peut pas sortir ce qu'elle est supposée the sortir. Thing that seem like they died, les choses qui semblent mortes, they are not dead. Elles sont pas mortes. They are only to the ground. Elles sont juste sur la terre. And while you're crying, knowing what's going on, et quand vous criez, vous God is releasing the of the Spirit upon it. Dieu libère l'esprit au-dessus. That's why when your marriage seemed like you came to an end, quand votre mariage semble fini, suddenly things began again to work for you. Les choses commencent. Look at your marcher. Neighbor, say, I didn't even get to my end. Dites à votre voisin, je suis pas arrivé à ma fin. My vision didn't come to an end. Ma vision n'est pas à la fin. It only fell to the ground. C'est juste tombé sur to produce terre. Something powerful. Pour produire quelque chose de puissant. I said, you have your time of come back now. J'ai dit que votre temps revient maintenant. You're coming back with glory. Vous revenez avec gloire. You are renewed like an eagle. Vous êtes renouvelé comme un aigle. You are renewed like an eagle. Vous êtes renouvelé comme un aigle. Because you stand in the presence of God. Parce que vous vous tenez dans la présence in the de midst Dieu. Of your trouble. Dans le milieu de votre in the midst of your pain. Au milieu de votre difficulté. I was renewing your strength. Because those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up like eagles. Somebody's mounting up this morning. And I speak in the name of Jesus to every dead dream. Come alive in the name of Jesus. I speak now in the name of Jesus. Every broken home has been restored in the name of Jesus. Can somebody say, I receive it? Say, I receive it. Say, I receive it. When you say, I receive it, I see the healing power of God healing your body. That curse is broken this morning. In the name of Jesus. I said, that curse is broken. In the name of Jesus. I said, that curse is broken. In the name of Jesus. Can somebody give me three amen? I think I'm going to stop here. Je crois que je vais m'arrêter ici. March. Can we all stand? Est-ce qu'on peut se lever? Le mois de March. Mars, le mois de mars. I prophesy over you. Je prophétise sur toi. In this month of en ce mois de mars. The glory of God. La gloire de Dieu. Is visiting you. Va te visiter. From inside out. À partir de dedans jusqu'à l'extérieur. Ce qui était brisé, what was broken, ce qui était brisé, is being fixed. Et arrangé. What was lost, ce qui était perdu, is taken back. Et retrouvé. The curse that were meant to end your life, la malédiction qui maintenait votre vie, I speak under the anointing of God, je parle sous la puissance, is broken in the name of Jesus. Elle est brisée maintenant au nom de Jésus. Your dream and your projects, vos rêves et vos projets, that seem dead, qui semblaient morts, God is breathing on them again today in the name of Jesus. This is your new beginning. This is your day of miracles. You're gonna testify God's glory like never before. The devil is a liar. And no weapon formed against you shall be able to prosper. I cancel every assignment that the enemy sent against your destiny. I cancel every sickness that was sent against you in the name of Jesus. I speak restoration over your life in Jesus' mighty name. You give a big hand for the glory of God.